Chers amis, j'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. Anne a enfin accepté de m'épouser. Je suis un homme comblé, nous célébrons nos fiançailles ce soir. Bien, les gars, en route. Bonjour, monsieur Collet. Monsieur Jensen. Ici le capitaine Lumet. Préparez-vous. Voilà, c'est moi. Oh non, qui a fait entrer cette horrible alien? T'arriveras pas à m'attraper. Est-ce que j'ai rêvé ou est-ce qu'il y a un alien chez nous? Non, tu n'as pas rêvé. J'ai fait faire trois jeux de clés, garde-en un dans la cuisine, mets le second près du lit et confie le troisième à un voisin en qui t'as confiance. À vos ordres, capitaine. Eh, arrête, t'es pas drôle. J'ai demandé à mon peintre de passer demain à 9h30 avec différents échantillons. Parce que cette maison est d'un triste. Oh, Charles, si tu me laissais souffler un peu avant de changer quoi que ce soit. Bon, d'accord. Après tout, c'est toi qui vois. Dis-moi, j'ai réservé une table à la Luna pour dîner. Ce soir? Bah oui, il faut savoir faire des petites pauses dans la vie. Oh, désolé, je n'ai aucune envie de bouger ce soir. Surtout après une telle journée. Bon, très bien. Dans ce cas, je commande un truc. Oh, s'il te plaît, Charles. Ce déménagement m'a claqué et Cory doit se reposer. Il attaque l'école demain. Je suggère de remettre ça une autre fois. Et j'ai la vieille rengaine, quoi. Charles, on en a déjà discuté. Discuté de quoi? Tu le sais très bien. Tous les deux, c'est terminé, on reste amis. Ah oui, j'avais oublié le « c'est terminé, toi et moi ». T'as vraiment trouvé le bon plan, hein. Tu m'appelles pour te trouver une maison, pour les cartons, et pouf, après, je redeviens l'ami qu'on jette. Tu es injuste, je ne t'ai rien demandé. C'est toi qui as voulu nous aider. Waouh, salut bonhomme, content de te connaître. Je viens faire un miami. Maman! Coucou! Enchantée, je suis Sally Becker. J'habite juste là, dans la rue, et je me suis dit qu'un petit bonjour entre voisins, ça très fait toujours heureuse. Plaisir. Moi, je m'appelle Michel Dupré. Salut, Michel. Et vous? Charles Jensen, l'ami de Michel, à défaut du reste. Heureuse de vous connaître.
J'ai fait des cookies au chocolat, ça vous intéresse? Elle déteste le chocolat. Merci infiniment, c'est fort aimable de votre part. Bon, je me sauve, à bientôt. Hé, un petit cookie? Ah oui, très bien, ce sera mon dîner. Charles! Charles! Corinne, ne sors pas, chérie. Hé, Charles, pars pas! Michel? Dites, est-ce que je peux vous dire un truc? Oui. Il y a quelque chose qui cloche. Je ressens comme un manque d'harmonie entre le yin et le yang dans cette pièce. Oui, j'ai trouvé. En fait, le canapé n'est pas à la bonne place. Je suis sérieuse. Est-ce que vous avez entendu parler des 8 aspirations vitales du Pakwa? Le match de hockey, c'est quand? D'ici 2 petites semaines, pourquoi? T'as promis de me ramener un maillot, le numéro 36. Je te l'offrirai la prochaine fois que je te verrai. Tiens, je le mangerai pas. Prends-le, je te le donne. Et ne le dis pas à ta mère, c'est notre secret, d'accord? Oh, faut que tu lises. À plus tard. C'est totalement fabuleux, ce bouquin sur le feng shui. Je te le donnerai la prochaine fois que je viens, d'accord? Avec plaisir. Bye, à bientôt. Merci pour tout. Maman, Charles va m'offrir le maillot de l'équipe de hockey. Ah oui? C'est très gentil de sa part. Oh, monsieur Kelley, j'ai oublié de vous en parler, mais j'ai remarqué qu'il me manquait une prise pour mon modem. Si j'en fais poser une, ça ne vous ennuie pas trop? Non, laissez, j'en parlerai à mon fils mobile, s'il connaît. Ne vous inquiétez pas. Dans ce cas, je vous remercie, vous êtes bien aimable. Bienvenue dans le quartier, madame Dupré. Ça fait un bail qu'on attendait le bon locataire. Heureux de vous avoir parmi nous. Merci. Tu viens, Corinne? Corinne? C'est sûrement Monsieur Astro. Monsieur Astro est parti sur Pluton avec Calico Jim. Écoute, chérie, tout est très différent ici. C'est une autre maison avec d'autres bruits, c'est tout. Je peux rester avec toi et dormir ici? Bien sûr. Ah, ah que c'est bon. Ma salle de jeu. Mais tu auras tout le temps après l'école, t'imagines, si on arrive en retard le premier jour. Allez, 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 hop, dépêchons-nous. Bon, tu es prêt, chérie? Non, je veux pas y aller, je connais personne, moi. Mais tu auras trouvé quelqu'un, un copain, dans une heure, tu verras, monsieur le grognon. Allez, fais un petit effort. Allez. Difficile le premier jour, mais tu verras, tu vas bien t'amuser. Non, non, c'est vrai, tu peux me croire. Cory, on va bientôt se mettre à table. N'oublie pas de te laver les mains. Coucou. Bonsoir. T'as déjà ton fan club, je les aurais bien prises, mais j'avais les mains pleines. Ah, je t'en prie, entre. Merci. C'est gentil. Il n'y a pas de carte. Dis donc, c'est pas juste. Ça fait une semaine que t'es là et t'as déjà un soupirant. Ah,
Moi, ça fait bien 6 mois que j'habite ici et c'est toujours le désert. Ah, je crois déjà savoir qui me les offre. Ah, tiens, voilà le bouquin dont je t'ai parlé, le Feng Shui. Oh, ça, alors c'est fabuleux. Oui, ça, c'est... Oh. Eh ben, c'est un petit cadeau. Mais tu n'étais pas obligée de faire ça. Je sais, mais j'en avais très envie. Oh. Oh là là, ce que c'est joli. C'est toi qui as fait ça? C'est mon sujet de prédilection. Qu'est-ce que tu veux? Ils me font de l'effet. Mais c'est sublime. T'as déjà exposé? Non, je... Enfin, disons que je me sens pas prête. Oh, je suis très touchée. Je te remercie infiniment. Heureuse que ça te plaise. Tu restes pour dîner? Ça, c'est la meilleure proposition qu'on puisse me faire. Génial. Un verre de vin? C'est pas de refus. Oh, je suis bien contente que tu sois là. Oh, les voisins que j'ai, c'est pire que tout. Tu te rends compte? Ça fait 6 mois que je vis là et il n'y en a pas un seul, tu m'entends, qui m'ait adressé la parole. Sans blague. Merci. Tiens. Et ils sont tous obnubilés par leur carrière. Et ton domaine à toi, c'est quoi? Oh, mon domaine, c'est la recherche. J'ai pris une année sabbatique pour écrire un bouquin. L'ADN, c'est ma passion, tu vois? Waouh! L'ADN, t'es une pro du clonage et tout le tralala. Oh, la grosse tête! Excuse-moi. Allô? Allô, oui, j'écoute. C'est la 3e fois qu'on me fait ça aujourd'hui. Prends le service d'appel en absence, c'est commode. Comme ça, tu sais qui t'a appelé et personne ne te casse les pieds. Ah, c'est une bonne idée, ça. Tu parles. Cette fois-ci, j'y vais. Laisse-moi faire. Il y en a marre, espèce de sale porc gluant. T'avises plus de téléphoner, moi je te... Je vous demande pardon. C'est Charles. Oh, salut Charles. Michel est là. C'est toi, Charles? Qui c'est cette folle? Ma voisine Sally, tu l'as déjà croisée. C'est une cookies? Oui. Je regrette pour cet après-midi. Est-ce qu'on peut en parler? Oui. Tu sais que je tiens à toi. Je sais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu attends de plus? Je n'attends rien, je ne suis pas prête pour ça, c'est tout. Pourquoi? Nous sommes plus que de simples amis. Si tu ne peux pas te faire à cette idée, désolé. Il vaut mieux dans ce cas qu'on ne se voit plus. Pas de bêtises. Charles, écoute, ne m'énerve pas, s'il te plaît. Pour ça, on n'est plus des enfants. Laisse-moi te parler. Je vais raccrocher maintenant. Michel. Salut. Tu peux surveiller la sauce, s'il te plaît. J'aime pas ici. Je veux retourner chez nous. Mais c'est chez nous ici, mon cœur. J'aime pas quand tu te disputes avec Charles. Je vais te faire un aveu. Moi non plus, je n'aime pas ça. Viens là. Je vais te confier un vrai secret. Qui est l'homme de ma vie d'après toi? Je sais pas. Son nom commence par un C. T'as pas une petite idée? C'est moi? Oui. J'ai droit à un petit sourire. Ah, ça, c'est un beau sourire. Quelle soirée. Encore merci pour tout. Je t'en prie. Et surtout, n'oublie pas de lire le bouquin. Tu me diras ce que tu en penses. Oui, oui, je n'y manquerai pas. Merci, Sally. Bonsoir. Bonsoir. Nouvelle prise téléphonique installée, besoin d'autre chose, Bobby. Quel beau garçon. Merci. Est-ce qu'ils sont géniaux à cet âge-là? Et si innocents. Et quel âge il peut avoir? 6 ans? Oui, il a 6 ans, juste. Et le vôtre, c'est lequel? C'est la petite fille en robe rouge. Oh, ce qu'elle est chou. Oui. Annie, c'est sa mère tout craché. Quel dommage. Un jour, ils vont changer. Si seulement ils pouvaient rester comme ça. Hé, maman, attrape. Erika, viens voir papa, chérie.
Papa, on s'est bien amusé. Cory, viens mon cœur, on rentre. Le vaccin réagit et provoque une réaction immunitaire en reconnaissant l'ADN de la tumeur concernée et il réagit aux fragments non toxiques de la toxine tétanique. Allô? Allô? Je n'arrête pas d'avoir des coups de fil anonymes. Depuis quand? Depuis une bonne quinzaine de jours. Vous avez une idée de qui ça peut être? Non. Y a-t-il quelqu'un qui fume dans votre entourage? Charles Jensen, un de mes ex-petits amis. Il a vraiment le don de m'agacer par moments, mais de là à imaginer que cela puisse être lui... Est-ce que vous avez une idée, des soupçons? Oh, il y a bien eu cette histoire de cambrioleur, ce jeune type, qui a pénétré de nuit dans l'appartement. Il était face à moi, il s'est enfui. Racontez-moi ça. Mon père m'avait donné une arme au cas où je ne suis pas très douée. Il a été retrouvé ou pas? Non, hélas. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Ce genre de gars est difficile à attraper. En général, ils restent dans leur coin. Mm. On va doubler les patrouilles dans tout le voisinage. Quand il verra les allées et venues des gars, il y réfléchira deux fois avant de vous embêter. Et si ce n'est pas le cas? Ça, c'est ma ligne directe. Appelez sans hésiter. Si ça peut vous rassurer, je peux venir avec mon sac à dos et planter ma tente dans le jardin. D'une façon ou d'une autre, on le coincera. Merci, inspecteur. Bonne nuit. Bonne nuit. Je te remercie. Je viens de recevoir la visite d'un inspecteur qui m'a carrément insulté. J'apprends que je suis le pervers de service, après tout ce que j'ai fait pour toi. Là, tu me déçois, Michel. Tu me déçois beaucoup. Inspecteur Carvelli. Lui-même. Il est là, je l'ai vu. Madame Dupré. Je vous en prie, il est planté devant la porte d'entrée. D'accord, j'arrive tout de suite. Mon Dieu, faites vite. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Kelly? Je sais que vous êtes fâché. On le serait à moins, vous ne croyez pas? Je constate qu'un homme est en train de m'espionner et je le vois rentrer chez vous. C'est le fiston, c'est tout.
Il est malade. Alors racontez tout ça à la police. Non, surtout pas. Ils vont l'enfermer à double tour dans un centre hospitalier. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, moi? Il ne vous ennuiera plus. Je vais m'en charger, c'est promis. S'il vous plaît, je n'ai plus que lui. Si on me l'enlève, je suis un homme brisé. Je l'aurai à l'œil, c'est promis. Tout va bien, Madame Dupré? Oui, je vous remercie, ça peut aller. Je vous présente mon propriétaire, Monsieur Cullet. Il habite juste à côté. J'étais en train de sortir les poubelles et je lui ai fait une peur bleue, la pauvre. Ça s'est passé comme ça? Il faisait nuit, je ne le voyais pas distinctement. J'ai paniqué. Désolé, je ne voulais pas vous faire peur. Ça... Excusez-moi de vous avoir fait venir pour rien. Oh non, au contraire. Vous avez bien réagi. Vous voyez, il n'y avait pas de quoi s'alarmer. Non, bien sûr. Mon offre tient toujours. Un mot de vous, je plante la tente. T'as gagné, espèce d'idiot. Ça fait même pas deux semaines qu'elle est là et t'as déjà semé la panique. Maintenant, on a ces foutus flics aux fesses. J'ai rien fait du tout. Mais non, bien sûr. Monsieur n'a rien fait du tout, mais il fourre toujours son nez où il ne faut pas. Tout se déroulait comme sur des roulettes. Et là, t'as pas pu t'en empêcher. T'as pas pu t'empêcher de montrer ta stupide gueule de face de rat à sa fenêtre. Mais elle est si belle à voir. Oh, je sais qu'elle est belle à voir. Mais si tu continues, tu vas la faire fuir. Bon, répète après moi, je suis un pauvre débile. Et je ne le referai plus. Tu vas cesser de pleurnicher, espèce de morveux, ou je te flanque une vraie bonne raclée, alors dis-le! Je suis un pauvre débile. Ta mère m'a supplié de te garder, j'ai eu tort. J'aurais jamais dû l'écouter. J'aurais dû te laisser pourrir dans cet hôpital, avec tous les autres fous de ton espèce. Tu te tiens éloigné de cette femme, t'entends? Si tu t'approches encore d'elle, si jamais tu me désobéis et que tu agis de ta propre initiative, je te flanque dehors! C'est bien que je ne te ferai jamais de mal, je t'aime, Charles. Maintenant, ça suffit. La maison des Cullet, merci de laisser un message après le bip sonore. Monsieur Cullet, ici Michel Dupré, la nouvelle locataire. Je crois que votre fils traîne encore devant chez moi. Et si jamais c'est lui, je vous jure que cette fois-ci, j'appelle sans hésiter la police. Vous entendez? Allô? Monsieur Cullet, je crois que votre fils est encore... Il est mort. Mon fils est mort. Il vient de se pendre. Oh mon Dieu. C'est...
chérie, tu vois bien qu'il n'y a pas de monstre. Je sais que c'était pas un monstre, c'était un monsieur. Tu l'as vu? Non, mais je l'ai entendu parler. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? J'en sais rien, je m'étais endormie. Oh, je vois, tu as peut-être fait un beau rêve. Peut-être. Est-ce que tu crois que tu pourrais te rendormir si je venais et que je te bordais dans ton lit? Oui, maman. On y va? Allez. Chérie, je te laisse la lumière et tu te rendors, d'accord? Allez. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, maman. Je t'aime. Je t'avais bien dit qu'elle ne te croirait pas. Le ciel sera dégagé, mais il fera frais. Dans l'après-midi, on devrait avoisiner les 14 degrés, mais ce soir, nous n'aurons que 10 degrés, voire 7 dans l'arrière-pays. Un mot sur la circulation. Réveille-toi, mon grand. Allez, debout, il est 7h. La 83 en direction du centre-ville est un vrai cauchemar. Sur la 95, vous roulez au pas. L'accident du poids lourd a ralenti considérablement. Maman, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oh, oh, pauvre Sally, son tableau. Si j'ai bien compris la situation, le mec qui te matait comme un fou était en fait le fiston de ton proprio qui habite quoi, à 10 mètres d'ici, c'est ça? C'est ça. Et le gars s'est pendu? Exact. Et je suis passée à côté du scoop du quartier. Faut que j'achète un portable, moi. Écoute, ça me navre de voir ton tableau comme ça. Et ça s'est passé juste après le ramdam d'hier soir? Je crois que oui. C'est curieux, moi je n'ai rien entendu. Ton voisin, un attardé un peu starbé, se fout en l'air chez lui et mon petit ange se prend en même temps une lance en plein cœur. Alors ça, je crois que ça n'est pas une coïncidence. À vrai dire, j'essaye de ne pas voir ça comme ça. Merci beaucoup pour le babysitting. J'en ai pas pour longtemps. Ne t'inquiète pas pour ça. Eh oh! Où est mon petit monstre préféré? Tiens, tu peux me garder ça quelques instants, je reviens. Mais quelle surprise! Ah, oh, bonjour! Bonjour, ça va? Je croyais que vous aviez vos propres chantiers. Nous les avons, mais de temps en temps, on aime bien côtoyer les civils. Oh. J'ai appris ce qui est arrivé à votre voisin. Oui, c'est tragique, ce genre de choses. Oui. Vous n'avez plus été embêté depuis l'autre soir? Non. Non. Il a certainement eu peur de vous. Mais tant mieux, espérons que ça dure. Oui. Vous voulez quelques conseils pratiques? Ah oui, avec plaisir. Redressez-vous. Vous m'entendez bien, là? Oui. Et concentrez-vous. Ok, maintenant, vous aurez une meilleure prise en passant votre pouce gauche sur la droite, là. Oui, comme ça. Pliez un peu les genoux. Ouais, d'accord. Fixez le centre de la cible, voilà. Respirez à fond. Expirez. Et avant de respirer de nouveau, vous appuyez sur la détente. D'accord ? D'accord. On se fait un petit essai ? On a tout le temps, relaxez-vous, respirez. Eh ben vas-y, qu'est-ce que t'attends? T'as la pétage d'étirer, c'est ça?
Vous avez envie d'en parler, Madame Dupré? Michel. Je m'appelle Michel. Vous avez envie d'en parler, Michel? Venez dans mon bureau, nous serons mieux. Ah. Je commence par où? Par le début. Avant de venir habiter ici, nous étions à Highland Town. Une nuit vers 3 heures du matin, j'ai entendu du bruit. Ça m'a réveillée. Un peu inquiète, je suis descendue au salon avec mon revolver. Très bien que je ne tirerai pas. Oui, je sais, c'est difficile de braquer une arme et de tirer froidement sur quelqu'un. C'est comme si on m'avait violée ce soir-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à déménager. Ouais, c'est compréhensible. Merci de m'avoir écoutée. Ça fait du bien d'en parler. J'ai du mal à aborder ce sujet-là d'habitude. Dites. Je viens d'avoir une idée. Oui, laquelle? Ça vous arrive d'aller dîner de temps à autre? De temps à autre. Alors, disons samedi soir, 20h. D'accord, 20h. Cory, est-ce que Sally est arrivée? Oui. Dis donc, où est-ce que t'as déniché ce gâteau, toi? C'est le monsieur dans la penderie. Il est gentil, j'ai plus peur. Donne-moi ça tout de suite. Je le garde. Oh. Hey, hello. Michel avait raison. Entrez. Merci. Moi, c'est Joe. Michel ne va pas tarder, elle se pomponne. Je suis la babysitter, mais pour les intimes, je suis Sally. Ravie de vous rencontrer, Sally. Ah, bonsoir. Mon Dieu, pardonnez-moi, je suis en retard. Oh, c'est rien. Cory, voici l'inspecteur Carvelli. Salut, Cory. Où t'as mis ton uniforme? Oh, dans ma section, nous ne portons pas d'uniforme, Cory. Mais j'en avais un dans le temps. Vous avez une photo? Sally, tu veux me rejoindre dans la cuisine? Attendez, je reviens. Comment ça, avez-vous une photo? Un peu de retenue, s'il te plaît. Oh, pardonnez-moi, madame, je me suis lâchée. Pas de chocolat pour Cory. Ok, légumes et fruits secs. Et tu le mets au lit avant 9h. Mais on est samedi soir. Bon, alors 10h. Et attends, ne t'inquiète pas si jamais tu l'entends parler, c'est parce qu'il s'est fait un ami imaginaire. Il est célibataire? Très drôle, ton sens de l'humour. Tu veux que je te dise, tu es un ange. C'est un très bon restaurant, j'espère que vous aimez les fruits de mer. J'adore les fruits de mer. Bien, madame. Alors, en route. Les claviers dans un petit groupe, les Stonefish. Nous étions le genre très branché à l'époque. C'est l'époque où les Stones faisaient fureur. Oh, c'est ravissant. Merci. Et qu'est-ce qu'il est devenu, ce groupe branché? Il a coulé à pic, en fait. Ah. Un peu comme mon mariage. Bon, vous avez dû connaître ça. Je ne me suis jamais mariée. Oh, pardonnez-moi, j'ai cru que vous aviez été mariée à cause de... De Cory. Je l'ai adoptée. Lui, au moins, il a eu de la chance. Oh non, c'est moi qui en ai eu.
Cory a une imagination débordante. Je suis persuadée qu'il sera écrivain plus tard. À l'imagination. Soyez indulgente avec moi. Je vais essayer. Avec son épée. Bouh! Ah, j'ai eu peur. Oui, je te fais peur. Je voulais pas, je suis désolée, chérie. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te signale que tu devrais être au lit. Hein? Ben, je joue avec BG. Monsieur joue avec BG. Oh! Salut, monsieur BG. Non, c'est pas lui. Ah bon, c'est pas BG? Mais il est où alors? Là. Il est timide, il veut jamais sortir. Oh. Attends, tu vas voir. Hé, hey, monsieur Bidji, écoute, c'est pas la peine d'être timide. Elle est très gentille, Tata Sally, tu sais. Attends, j'y vais. Madame. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, Bonnie. À bientôt. Oh, je n'ai pas dansé comme ça depuis... je préfère ne pas le dire. Nous devrions le refaire plus souvent. Je peux retourner jouer maintenant? Non, chérie, parce qu'il est tard, il faut aller dormir. Qu'est-ce que c'est? C'est sûrement BG. Il s'ennuie sans moi, le pauvre. Je vais lui monter des cookies. Non, chérie, tu restes là. Tu sais, si BG a faim, il peut descendre comme un grand, je pense. C'est vous qui avez téléphoné. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un dans la maison. Oh, il n'a rien. Et restez là. Je suis l'inspecteur Carvelli. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je viens d'arriver. Vous surveillez par derrière. Vous êtes prêts? Oui. En plus, j'ai l'impression de passer pour une folle. Sally, on a fouillé la maison de fond en comble sans résultat. La porte arrière était verrouillée. De votre côté, vous n'avez vu personne sortir d'ici. C'était une fausse alerte. Il y avait quelqu'un là-haut qui marchait et ce n'était pas ce satané robot, Joe. C'était BG. Ça, c'est son ami imaginaire. Cory, est-ce que ton ami était là ce soir? Oui, on a joué à la bataille du château. Ah. Et cet ami, de quoi a-t-il l'air? J'en sais rien. Bon, écoute-moi, mon chéri. Là, tu vas monter et aller te brosser les dents. Et moi, j'irai te faire un bisou, d'accord? D'accord. Salut, mon gars. Bonne nuit. Bien. Il est tard, je vais vous laisser vous reposer. Oui. Excuse-moi. Oui, je dois me rendre à Philadelphie 2 ou 3 jours pour assister à une conférence sur l'administration et les procédures juridiques. Tout un programme. Mm-hmm. Je peux vous appeler à mon retour? Oui, bien sûr. Bonsoir. Bonne nuit.
Tu sais ce que je crois, moi? Je t'écoute. Je crois que ta baraque est hantée. Oh, Sally! Quoi? Ça expliquerait le bruit que j'ai entendu? Dans le fond, c'est peut-être le fantôme du dingo qui vivait juste à côté. Mais il a dit quoi, Joe, quand il a appris que c'était Starry qui était tout le temps fourré sous tes fenêtres? En fait, il n'en sait rien, je ne lui ai rien dit. Ah, oh, pauvre monsieur Cullet, il avait assez de peine comme ça et la mort de Bobby réglait la question. Tu oublies les morts errants parce qu'ils ne trouvent jamais le repos. Attends, j'ai une idée. Je connais une fille qui est super douée, je te jure, elle est médium. Ah, je n'y crois pas trop, Sally. Pourquoi tu te braques? Si ça se trouve, elle va t'aider. Je te jure, ça vaut le coup de l'avoir à l'œuvre. Et voilà. Eh oh! Et mon bisou, il est où? Ça t'a plu l'air de jeu? On y retournera ce week-end. Non, je veux rester à la maison. Passe une bonne journée. Salut mon grand. Qu'est-ce que tu fais là? Je crois que ta maman n'a pas trop envie que j'aille chez vous, mais tu sais, moi, je tiens mes promesses, chose promise, chose due. Tiens, le numéro 36. T'en fais une tête. Je croyais que t'allais être content de la voir. Ça a sonné. Corrie. Fais donc confiance à ta vieille copine, c'est une sacrée expérience. Tu verras, Rebecca est une fille qui a un don très rare. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle voit des couteaux dans vos rêves et elle se demande pourquoi. La mort rôde. Est-ce que quelqu'un est mort sous ce toit? Pas que je sache. Mon propriétaire avait un fils qui s'est suicidé dans la maison à côté. Son esprit est parmi nous. C'est lui. Je le savais, je le savais. Que personne n'est mort ici. Elle voit que ça s'est produit ou que c'est imminent. En tout cas, elle voit quelqu'un tomber dans l'escalier. C'est moi qu'elle voit tomber dans l'escalier? Elle n'en sait rien. Il y a beaucoup d'énergie dans cette maison. Elle entrevoit quelque chose, mais pour l'instant, c'est assez vague. Oui, une feuille? Comme celle d'un arbre? En fait, il se trouve qu'il y en a plusieurs, de couleur foncée. Il y a une présence dans cette maison. Elle essaie d'attirer votre attention pour se libérer. Écoutez-la, elle demande votre aide. Moins vite, Rebecca. Il y a un homme dans votre vie. J. C'est la lettre J? Oui, c'est un J. Méfiez-vous de lui. C'est un être faux, il vous joue la comédie. Il est... démoniaque. Ça, c'était une fichue expérience. Waouh! N'exagérons rien, Sally. N'exagérons rien? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu as eu la trouille de ta vie. Tu étais tétanisée. Enfin, c'est sur pas place. Parce qu'une inconnue arrive chez moi et me voit tomber dans l'escalier que ça va me faire perdre la tête. Non, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit que cet accident s'était peut-être déjà produit. Très bien. Moi, je connais une façon de le savoir. Comment ça? Je vais aller m'informer à la source. La maison des Cullet, merci de laisser un message après le bip sonore. C'est mon propriétaire. Monsieur Cullet, pardonnez-moi de vous déranger, monsieur, c'est Michel Dupré. Dites-moi, j'aimerais avoir un éclaircissement, s'il vous plaît. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison avant que je ne m'installe? Un accident, par exemple? Je m'interroge à ce sujet, pourriez-vous me rappeler? Et encore une fois, toutes mes condoléances, monsieur Cullet. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésitez pas une seconde, je suis là. Merci et bonne journée. T'as réfléchi au J? Et cet être diabolique dans ta vie? Bah... qui ça pourrait être? Joe? Oh, sois pas idiote, Sally. Ben quoi? Tu connais combien de mecs dont le nom commence par J?
Hein? Charles Jensen. Oh, puis je sais plus, moi j'en connais des tonnes. Et alors, on n'a qu'à faire une liste. Allô? Madame Dupré, monsieur Walter, le directeur de l'école. Ah, bonjour, monsieur Walter, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Y aurait-il un souci avec Cory? Je souhaiterais que nous en discutions. En fait, c'est le professeur de Cory qui m'a alerté. J'ai pensé qu'il fallait vous mettre au courant. Il a fait ses dessins au premier trimestre. C'est mignon. Oui, en effet. Ceux-ci ont été dessinés au second trimestre. Les enfants étaient libres de dessiner ce qu'ils souhaitaient. Oh. Comme vous pouvez le constater, les personnages dessinés par Cory sont plutôt troublants. En effet. Qu'est-ce que c'est? Un dessin que j'ai fait à l'école. Et pourquoi t'as dessiné ça? Ça me rappelait une histoire. Quelle histoire? La princesse et le chevalier. Je ne connais pas cette histoire. Qu'est-ce qu'elle raconte? Il était une fois un gentil chevalier qui était parti de son royaume pour épouser sa princesse. Mm-hmm. Elle était belle comme une fleur et elle lui avait dit oui. Le chevalier était heureux comme tout, mais un méchant sorcier a jeté un sort à la princesse et elle a décidé de se marier avec le baron. C'est vrai? Oui. Le chevalier, il était vraiment triste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée dans l'escalier et elle a été punie. Qui est-ce qui t'a raconté cette histoire? Bidji. Oh, chérie. Bidji n'est pas réel. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que si moi je le croyais, il le serait. Et il a dit qu'un jour, il ferait un pas vers toi. Tu veux pas venir m'aider à la cuisine? Non, je vais rejoindre Bidji. Allô? Allô? Oh, le barbe. Allô? Charles! Michel? Oh, j'arrive pas à croire que ce soit toi qui me fasses ça. Non, attends. Mon amour éternel. J'espère que cela ne vous dérange pas. Et pour répondre à votre question, il ne s'est rien passé d'extraordinaire dans cette maison. Je ne comprends pas d'où vous est venue cette idée. Ah ! Mais c'est moi. Charles. Qu'est-ce que tu viens faire à cette heure-ci? J'ai sonné à la porte, comme personne n'est venu, je suis passé par l'arrière. J'ai des choses à te dire. T'aurais pu me le dire au téléphone. C'est toi qui as raccroché. Tu ne t'en souviens pas? Je le sais, ne m'en veux pas. J'étais nerveux. Je voulais juste te laisser un message et je n'ai pas trouvé les mots justes. Alors j'ai raccroché. Michel, je sais que tu as un tas de trucs à faire. Et que tu ne te sens pas prête à t'engager actuellement. Je ne t'ennuierai plus, c'est juré. Tu sais, on pourrait rester amis pour l'instant. Écoute, je sais rien. Pourquoi? Je ne vois pas où est le problème. Oh, ce cadeau, tous ces appels. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à offrir un t-shirt, tu veux me dire? De quoi tu parles? Quel t-shirt? Corinne t'a pas dit que je lui avais offert ce maillot de hockey auquel il te détend? J'ignore ce que tu lui as dit à propos de moi, mais il n'était pas très aimable. Quand es-tu allé voir Cory? À l'école ce matin. Tu es passé voir Cory à l'école ce matin? Et tu ne m'en as pas dit un mot? Non, mais quelle importance. Mais c'est pas croyable ce genre d'attitude. Tu ne me demandes jamais si je suis d'accord ou pas. Tiens, et ce cadeau? Je l'ai reçu ce matin. Tu joues à quoi? Je ne suis pas au courant. Charles.
Qui peut l'envoyer à part toi? J'en sais absolument rien. On tourne en rond, ça suffit. Je ne tiens plus à te revoir. Oh, madame me flanque à la porte maintenant. Qu'est-ce que tu comptes faire si je refuse, hein? Lancer un SOS au petit flic de service? Ah, parce que tu m'espionnes en plus. Ou te servir de cette expérience pour t'envoyer en l'air avec le flic et un jour le petit flic deviendra l'ami qu'on fout à la porte? Va te faire voir. Monsieur Kelley, ma voiture vient d'être taguée par un petit voyou. Vous ne l'auriez pas aperçu par hasard? Oui, en effet, mais entrez un moment pendant que j'appelle la police. Merci, c'est très aimable. Aujourd'hui, au pied d'une sublime montagne couronnée de neige, Everett m'a demandé en mariage et j'ai dit oui. J'attends avec impatience ce jour béni pour que je puisse être avec lui jusqu'à la fin de nos jours. Je l'aime tellement et je remercie Dieu de l'avoir mis sur mon chemin. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Ça n'est jamais la même chose, mais je dois dire que c'est de plus en plus bizarre. Parfois, quand je suis dans mon lit, je me sens épiée. Presque comme si j'entendais quelqu'un respirer dans la chambre. Et quand j'allume, il n'y a personne. Everett me taquine. Il dit que c'est le vent qui excite mon imagination. Oh, la bouilloire! Les bruits continuent, mais je cherche même plus d'où ils viennent. J'ai baissé les bras. Par moments, j'ai l'impression de perdre la raison, mais je sais que c'est dû à cette maison. Everett a proposé qu'on organise une fête pour Halloween et que nous nous déguisions pour faire fuir les fantômes une bonne fois pour toutes. Il m'a dit qu'il allait s'habiller comme la bête et que moi, je serais sa princesse. Nous avons décidé d'annoncer nos fiançailles au cours de la soirée. Everett a proposé qu'on organise une soirée pour Halloween. Everett a proposé qu'on organise une soirée pour Halloween.
Corrie! Mais qu'est-ce que tu fais dans l'escalier, mon cœur? Tu dormais, alors je me suis fait le petit déjeuner. Oh. Oh, je suis désolée, mon chéri. Oh, c'est tellement gentil d'avoir déposé Corrie à l'école. T'inquiète pas pour ça, il est arrivé à l'heure pour son cours de gym. Je t'ai fait du thé, ça te filera un coup de fouet. Oh, c'est comme si j'avais fait la fête toute la nuit. J'ai une de ces gueules de bois, pourtant j'ai pas bu une goutte d'alcool. Oh. Autant que je m'en souvienne, j'ai pris un bain. Et puis, oh, il s'est passé une chose bizarre. J'ai fait ce rêve. Quel genre? Ah, j'étais à une soirée costumée, je dansais avec Anne Grayson. Qui c'est cette Anne Grayson? Elle a vécu ici avant. Bah, je suis tombée sur son journal, il était caché en bas de la bibliothèque, figure-toi. Ta médium ne s'était pas trompée. C'est une fortiche, hein? Tiens, jette un coup d'œil. Fais-moi voir ça. Il a dû me tomber des mains à un moment donné, enfin tout était effacé. Ah oui, c'est dommage. Regarde cette photo. Elle? Oh, c'est pas croyable, c'est ton portrait craché. Tu vois le médaillon qu'elle porte autour du cou? Oui. Il a été déposé chez moi avant-hier. Oh, dis donc, ça commence à me ficher la force. Lis ce qu'il y a marqué à l'intérieur. Je vais pas l'ouvrir. Ah. Mon amour éternel. J'ignore qui est Anne Grayson, j'ignore où elle se trouve ni pourquoi elle a laissé son journal ici, mais je vais trouver une réponse à cette énigme. Une femme assassinée par un fiancé jaloux à Roland Park. Hé, hey, tu cours où comme ça? Jouer avec Bidji. D'accord. Lily condamnée à perpétuité pour meurtre. J'en ai pour deux petites heures, est-ce que ça ira? Non, ça m'arrange pas, j'ai décidé de partir en croisière. Mais bien sûr que ça me va. Écoute, on va aller bouffer un truc en ville, d'accord? Génial, merci Salité Anamou. Monsieur Lily, merci de m'accorder cet entretien. Je m'appelle Michel Dupré. Je vis actuellement dans l'ancienne maison d'Anne. Et il se passe des choses étranges depuis que je vis dans cette maison. Eh bien, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous tirer. Monsieur Lily, est-ce que ce médaillon vous dit quelque chose? Quelqu'un me l'a envoyé. Depuis que je l'ai reçu, je cherche à comprendre pourquoi. Vous pouvez l'ouvrir? Qui vous l'a donné? Veuillez vous asseoir. En fait, j'espérais que vous alliez pouvoir m'en dire plus. Anne le portait le jour où elle est morte. La seule personne susceptible de faire cet envoi, c'est l'assassin. Et je ne suis pas cette personne. Écoutez, je peux peut-être vous sortir de cette prison. Dites-moi ce qui s'est passé cette nuit-là. Je vous en prie. Nous avions organisé une grande fête cette nuit-là pour annoncer notre mariage. Nos amis étaient heureux pour nous. Les derniers invités venaient juste de partir. Anne est montée la première, je lui ai dit que j'arrivais tout de suite. J'étais euphorique, j'avais bu, mais pas exagérément. Et puis ça a été le trou noir, quand j'ai repris conscience, elle était allongée près de moi. Son corps couvert de sang. Avant que je réagisse, la police est entrée et m'a menacé. Mes empreintes figuraient sur l'arme du crime.
Lors de l'autopsie, ils ont trouvé la présence du sperme d'un autre homme. La police a conclu que j'avais tué Anne dans un accès de jalousie. C'est le meurtrier qui l'a violée d'après vous? Oui, ça ne fait aucun doute. Mais comment le prouver? L'autopsie a démontré qu'elle ne s'était pas débattue. Les portes de la maison étaient verrouillées de l'intérieur. Pour la police, il n'y avait que nous dans la maison. J'étais coupable, elle n'a pas cherché plus loin. Qui a alerté la police? Le gars d'à côté. Il aurait soi-disant entendu une dispute. Monsieur Calais? Non, son fils. Vous savez que Bobby, son fils, s'est suicidé? Ça ne me surprend pas. Le père était bizarre, mais BG, son fils, il lui manquait une case. BG? Oui, BG. Bobby Junior. BG, c'est justement l'ami imaginaire de mon fils. Il n'est peut-être pas aussi imaginaire que ça. Chevalier. Quand sera-t-il de retour? Nous attendons l'inspecteur Carvelli d'ici une petite heure. Vous pourriez peut-être me renseigner. J'aimerais avoir des informations sur un de mes voisins qui vient de se suicider. Vous pouvez toujours demander à l'état civil. Mais si vous êtes en contact avec Carvelli, je vous conseille d'attendre son retour. Oui, mais je vous en prie, dites-lui bien de me rappeler chez moi, j'attends son appel. C'est vraiment important. Pas de problème, je lui transmettrai le message. Cory, t'es prêt? On y va! Cory? Cory? Oh, on joue à cache-cache avec Sally! Je vais te trouver, coquin! Oh, ça te dit gros bon! Cory? J'apprécie pas les intrus! On veut déjà s'en aller? Ça vous arrive souvent? De pénétrer chez les gens sans y avoir été invité? Je trouve ça bien impoli. Hey, BG! Ah! Chut! Écoute, mon pote,
j'ai aperçu un gros rat dégoûtant. Faut que je m'en occupe. Toi, tu descends. J'arrive tout de suite. Mais t'as promis que tu venais jouer avec moi. Oui, mais on jouera après. Toi, tu vas m'attendre comme un grand garçon. Ce ne sera pas long. Allez, descends, descends. C'est votre jour de chance, on dirait. Je vous laisse sortir de là. Mais que je vous y reprenne plus à fouiner chez moi. Ouvrez cette porte, allez-vous-en. Ce sera notre petit secret. Vous pouvez sortir, je vous ferai pas de mal. J'ai eu du mal à la voir. Il était patapouf, ce rat. Enfin, ça y est, je l'ai tué. Et Cory, allez, viens jouer avec moi. Hein? Hein? Hé, Cory. T'en fais une tête. Bah quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, je veux rentrer chez moi. Ah, mais Cory, t'es chez toi, bonhomme. Je veux voir ma maman. Elle va arriver d'ici peu. Ta maman travaille trop, hein? Tu sais qu'il est grand temps que je m'occupe de vous deux. Hein? Cesse de t'agiter, écoute. À présent, nous sommes une vraie famille, tu comprends? T'as bien dit que tu voulais un père, non? Hein? Ton père, c'est moi. Non, t'es pas mon papa. Comment ça? Non, hé, c'est moi, je te dis. Et Cory, écoute-moi, je suis ton papa, t'as compris ce que j'ai dit? Et ne commence pas à pleurnicher comme un bébé. Ça ne marche pas avec moi, les pleurnicheurs à la maison. Tu vas avoir une paire de baffes si tu continues. Allô? Michel, c'est Joe. On vient de me donner votre message. Joe, dites, est-ce que vous pouvez vérifier quelque chose pour moi? Bien sûr, quoi? Mon voisin, celui qui s'est suicidé. Vous pouvez me confirmer son nom? Et qu'est-ce qui se passe? Je vous en prie, c'est important. Ok, donnez-moi une minute. Redites-moi son nom. Culley. Robert Culley. C-U-L-L-E-Y. Ça y est, j'ai trouvé votre homme. Quel âge avait-il? Attendez, 31, donc... Oui, Bobby avait approximativement cet âge-là.
Non, celui dont je parle est né en 31. À sa mort, il avait quoi, 68 ans. Oh mon Dieu! Il est toujours en vie. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Je parle de Bobby Gulley, le fils. C'est lui qui m'espionnait depuis que je suis dans cette maison. J'ai cru qu'il était mort et j'ai pensé qu'il était inutile de vous en parler. Attendez une minute. Si je comprends bien, c'était un voyeur? Oui. En plus, je suis persuadée qu'il a commis un meurtre. Vous l'accusez de meurtre? Je vous raconterai tout ça, mais je vous en prie, venez vite. D'accord, je fais au plus vite. Promettez-moi de ne pas commettre d'imprudence avant mon arrivée. D'accord. Bienvenue à la maison. Vous... Vous l'avez tué? Qui ça? Oh. Charles. C'était un bon à rien. Il n'allait pas se mettre entre nous deux. Où est mon fils? Je jure devant Dieu que si vous lui avez fait du mal, je vous tue. Oh, notre fils va très bien. Il joue avec ses nouveaux jouets. Tu vois, nous on avait hâte que tu rentres à la maison. Écoutez-moi, Bobby. Pitchy ou qui que vous soyez, je m'en moque. Je veux mon fils là, tout de suite. Tu as eu une dure journée au bureau, ma chérie. T'as dû bien te reposer cette nuit, non? J'ai mis un léger somnifère dans ton thé pour t'aider à dormir parce que... aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, un jour particulier. T'es tellement adorable quand tu dors. Et ta peau, elle est... si douce. Mais te fais pas de soucis, ma princesse. Tu n'as pas à avoir peur de moi, je ne te toucherai pas avant notre mariage. Ça suffit. Dites-moi où est mon fils ou je tire. T'as pas oublié les gars d'Island Town? T'as pas pu tirer, tu te rappelles? Pourquoi tu y arriverais aujourd'hui? Pour la dernière fois. Où est Cory? Cory? Oh, mais il est juste... C'est mieux, non? Faites ce que vous voulez de moi. Mais laissez Cory tranquille. C'est bon.
debout. Découvert mon petit secret. T'es une petite maline. Oh. Mais attention aux surprises. T'es contente de retrouver cette vieille Sally? Nulle part, t'entends? Descends de là! Descends! Non. Ça suffit. Reviens! Des surprises à vous. Je sais ce que tu es en train de te dire. Qu'est-ce que je regrette de ne pas l'avoir tué. Je t'aime tellement, ma chérie. Tu es ma princesse. Ta solitude me navre, tu sais. Mais t'inquiète pas, c'est terminé. Je vais te sauver. Nous serons ensemble, tous les deux, pour toujours. Je te demande une chose, laisse partir Cory. Et pourquoi voudrais-tu que notre fils s'en aille, hein? Oh, ma chérie, j'ai observé ce que tu faisais chaque jour. Je te connais, je sais comment tu repousses tes draps chaque matin. Ta façon de brosser tes cheveux. La façon que tu as de t'habiller. J'adorais téléphoner juste pour entendre le son de ta voix. Et la façon que t'as de respirer. Mon père aussi aimait bien t'observer. Il a dit que je ne t'aurais jamais. Alors je l'ai fait taire. T'inquiète pas, je vais te chérir. Et te protéger à jamais. Notre bonheur sera complet, je te le promets, mon amour. Non, 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 c'est pas grave. Oui, je sais ce que tu
tu ressens. Ah, oh, j'ai une surprise pour toi. Je vais te faire couler un bain. Et après ça, je te remettrai au lit pour que nous puissions célébrer notre nuit de noces. Aussi vite que tu peux chez les voisins et demande-leur d'appeler la police. Allez, vas-y, t'as compris? Oui, je connais un passage secret. Très bien, alors fonce, fonce. Qu'est-ce que... Mais reviens ici, toi. Cours, cours. Reviens, tu m'entends? Cours. Obéis à papa. Cory. Nous sommes unis pour la vie maintenant. On est une famille, non? T'as pas compris ça? Une famille. Bobby. Nous ne sommes pas une famille. Tout le monde nous connaît ici. Tu imagines ce que vont dire les voisins? Déménageons? Partons loin. On n'a qu'à se marier et repartir à zéro. Écoute, c'est une idée terrible, non? Ah. T'imagines le bonheur que ce serait, Michel? Oh oui, ce serait merveilleux. Toutes les femmes font confiance à leur mari, Bobby. Avec ça, comment te faire confiance? Oh, surtout n'aie pas peur, je ne le ferai plus, ça je te le jure. Je tiens trop fort à toi. Tu tiens à moi, mais jusqu'à quel point? Ton père aussi, tu y tenais. Mon père? Oh non. Il ne voulait pas que je m'approche de toi. Il te voulait pour lui tout seul. En fait, c'était pareil avec ma mère. J'étais proche de maman, mais ça le dérangeait. Il a essayé de nous séparer. Elle était mourante. Et c'est lui qui a refusé que je m'occupe d'elle. Il a même refusé que j'aille la voir à l'hôpital. Vas-y, je ne l'ai plus jamais revue. Je le détestais. Comme tu détestais Anne. Qui ça? Anne? Ah non, Anne, elle... Je l'ai aimée. Oui, mais tu l'as tuée. Parce qu'elle m'a trompée. Non. Non, Bobby. Tout ça est faux. Elle ne t'aimait pas, même si tu as pris la place des frettes. Tu l'as violée et tu l'as tuée. Non, 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 là, tu comprends rien. J'étais son chevalier. J'ai bien essayé de la sauver. C'est elle qui a rien voulu entendre. C'est comme ça que tu prouves ton amour, en tuant ceux que tu aimes. Non, ça c'est un mensonge, tu entends? Un mensonge! Ils ont tous été punis, ils ont eu ce qu'ils méritaient.
Hé, Poupi! Pourquoi tu me fais mal? C'est ce que tu as fait à Anne. C'est toi qui l'as jeté dans l'escalier. Anne. Oh, mais... elle ne voulait pas m'aimer. Maman! Maman! Quoi? Il a frappé Joe! Joe, reste là, Corey. Maman? Oui? Dis, Sally, elle est au ciel avec tous les anges. Tu peux être sûre que oui, chérie. En tout cas, elle aurait apprécié ce que vous avez fait. Sûrement, mais elle aurait tout réorganisé à sa façon. Bonjour, je suis Bonjour. Contente de vous voir. Et moi, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je veux vous remettre un objet qui vous appartient. Merci. Merci pour tout. Maman, maman! Oh, excusez-moi. Oui, quoi? Regarde ce que Joe m'a donné. 3 billets pour le match de hockey. 3 billets? Il y en a un pour toi aussi. Tu viendras au match, hein? Ah. Bien sûr que je viendrai. Dis donc, est-ce que tu sais comment je t'aime? Allez, montre. Oh, un petit peu comme ça. Non, bien plus que bon, ça. Alors, comme ça. Non, beaucoup plus. Bien là.